La course, qui s'était déroulée en 2020 sous le signe de restrictions pandémiques et qui ne comptait que 6 étapes, revient cette année à son format habituel de 7 étapes avec un parcours totalisant 1140 km jusqu'à l'arrivée dimanche à Cracovie dans le sud du pays. Un contre-la-montre se tiendra lors de la 6e étape à Katowice, sud. Outre 19 équipes UCI World Team, les organisateurs ont invité 2 équipes Pro Team, ainsi que l'équipe nationale polonaise. 11 champions nationaux seront au départ, dont le Slovène Matej Mohoric, Bahrain Victorious, le Français Rémi Cavagna, De Seninck, Quickstep, le Portugais João Almeida, De Seninck, Quickstep, le Kazakh Evgeny Fyodorov ou encore le champion d'Italie du contre-la-montre Matteo Sobrero, Astana Premier Tech. L'Allemand Pascal Ackermann, Bora Hansgrohe, vainqueur de plusieurs étapes des éditions précédentes, sera également au départ. Les supporters polonais espèrent voir briller Maciej Bodnar, Bora Hansgrohe, champion de Pologne, contre la montre, cette année ou voir revenir au premier plan Michał Kwiatkowski, Ineos Grenadier, vainqueur de la course en 2018. Parmi les jeunes espoirs, il faudra surveiller Jake Stewart, Groupama FDJ, Matteo Jorgensen, Movistar, Giovanni Aleotti, Bora Hansgrohe, Vadim Pronski, Astana Premier Tech, ou encore Attila Walter, Groupama FDJ. Le plus jeune coureur du peloton sera le Néerlandais Olav Kooij, Jumbo Visma, 19 ans.